ダメダメ。皆さんお元気ですか？さて今日も始まりました、日本語ができますか？私はやすかです。今日も皆さんと一緒に日本語を練習します。今日はひらがなのるを勉強しますが、その前に前回の文字りのおさらいです。りで始まる単語、立方、キューブ、今日はそれにちなんで長さなど単位を表す言葉をいろいろと見てみましょう。長さを表す単位はミリメートル、センチメートル、メートル、キロメートルなどが主に使われます。フランス語では mm や cm など省略形が書くときに使われますが、日本語口語ではメートルが省略され、ミリ、センチ、キロのように使われることがあります。ここまではフランス語に近いので簡単でしょう。日本語では国際単位が一般に使われるようになるまで、長さを表す単位は寸、約3センチメートル、あと尺、約30センチメートル、剣、約180センチなどが使われていました。面積を表す単位には平方がつきます。平方ミリメートル、平方センチメートル、平方メートル、平方キロメートル。家の話をするときによく耳にするのが平米と畳。平米は平方メートルと同義です。畳は漢字の畳から来ている言葉で、1枚が畳の1畳が畳の1枚分、約 1.6 平方メートルに相当します。また土地の広さを表す単位は坪を使います。坪は約 3.3 平方メートルに相当します。もしかしたら日本でアパートを借りたり、あとは土地を買ったりすることがあるかもしれません。それでは今日の一文字るの練習を始めましょう。るはなんと一本の線で書くことができます。左から Z を書くように始めて、最後はぐるっと丸を書きます。一緒にやってみましょう。 Z から丸です。できましたか？類似、ルサンブランス、ルローニ、アン・ヴァガボン。類義語、シノニム、ルリーロ、ラ・クルーブルー・アズール。留守番、ガルデラ・メゾン。留守番電話、アン・レポンダー・テレフォニック。来週はレを練習します。それでは次のコーナーをお楽しみください。ごきげんよう。Dernière semaine, nous avons vu comment situer une personne ou un objet dans l'espace avec la structure bidulois, lioni, imas, alimas, selon que le bidule est animé ou pas. Par exemple, Shigeru san wa daidokuro ni imas. Shigeru est dans la cuisine. Le lieu peut être précisé avec un adverbe de position précédé de la particule no. Non, no, adverbe. Kuruma wa kinomae ni arimas. La voiture est devant l'arbre. La question pour demander où se trouve un bidule est bidule wa doko ni imasu arimasuka. Shigeru san wa doko ni imasuka? Où est Shigeru? Kuruma wa doko ni arimasuka? Où est la voiture? La semaine prochaine, nous vous proposerons un exercice de révision pour revoir tout ça. Et si on allait plus loin dans Nihongoga Dekimasuka avec le titre Sunshine Girl de Moomoon? Comme son nom l'indique, cette chanson parle de soleil, de joie, de bonheur et de bonne humeur. Je vais aujourd'hui vous parler de l'expression Kira Kira que l'on entend dans ce passage. Kira Kira est une onomatopée qui désigne un scintillement, comme celui d'une étoile, d'un diamant. Elle est dérivée du verbe Kirameku qui a le même sens. Elle s'utilise fréquemment avec des verbes comme kagayaku ou hikaru, briller, scintiller. Par exemple,
Hoshiga, Kirakirato, Kagaya Ite Iru, l'étoile scintille. L'emploi de la particule to est optionnel. Kagayaku, qui signifie en lui-même scintiller, pourrait s'utiliser seul, mais l'ajout de l'onomatopée renforce l'image de la description. On entend ce Kira Kira dans la chanson Kira Kira Boshi, version japonaise de Ah vous le dirai-je maman, ou Twinkle Twinkle Little Star en anglais. Dans Sunshine Girl, Kira Kira apparaît dans plusieurs passages. Analysons-les. Ce qui signifie prendre un bain de soleil étincelant. Ici, Kira Kira est utilisé avec le verbe Kagayaku. Le soleil caché dans mon cœur brille de mille feux. Dans cette phrase, nous pouvons remarquer que Kira Kira s'utilise aussi de manière imagée. Kira Kira Egao est un sourire étincelant. La phrase signifie donc « dire bonjour avec un magnifique sourire ». L'onomatopée Kira Kira correspond donc tout à fait au thème ensoleillé de la chanson. On peut citer d'autres onomatopées décrivant une lumière. Pika Pika représente une lumière très forte, ultra brillante ou encore une surface reluisante. On peut aussi l'utiliser pour parler de quelque chose de flambant neuf. Tsuya Tsuya décrit quelque chose de brillant, de poli, de lustré. Chika Chika signifie étinceler mais aussi clignoter. On peut l'employer pour décrire un éblouissement ou encore pour parler des yeux qui fatiguent devant un écran d'ordinateur par exemple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mata laishu !